Tout va bien entre eux. En 2019, Nicolas Bedos annonçait publiquement sa rupture avec Doria Tillier après plusieurs années d'amour et de complicité, à la ville comme au cinéma. Miss Météo de Canal+, si est-il bien le réalisateur qui a été l'un des premiers à lui donner sa chance sur grand écran, notamment dans Monsieur et Madame Adelmen ou encore La Belle Époque. Et si désormais Nicolas Bedos semble filer le parfait amour avec Pauline Desmonts, avec qui il a officialisé sa relation, il se trouve qu'il est resté en très bons termes avec celle qu'il a commencé à fréquenter en 2013, comme l'atteste un souvenir très personnel qu'il conserve dans son appartement. Le magazine Elle rapporte en effet en 2021 que Nicolas Bedos a conservé dans son appartement un tableau de collage commencé avec Doria Tillier, visiblement resté inachevé depuis leur rupture. Toutefois, celui-ci semble avoir trouvé sa place dans le logement du réalisateur, peu décidé à le décrocher et le ranger à l'abri des regards. Il faut dire qu'entre les deux ex, tout semble aller pour le mieux. J'ai eu la chance de fabriquer une sortie d'iconographie amoureuse avec Doria Tillier à un moment, ce qui nous a fait vivre des sentiments très inédits, très troublants, avait-il notamment confié à propos de cette relation. La blague de Doria Tillier envoyée à Nicolas Bedos à Cannes restait complice, Doria Tillier s'était même permise une petite blague lors du festival de Cannes, où elle avait été nommée maîtresse de cérémonie. Lors de la soirée de clôture, elle avait fait mine d'oublier le nom de Nicolas Bedos à la réalisation de OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Alors que Doria Tillier lui a envoyé un baiser, le fils de Guy Bedos lui en a renvoyé deux, lui qui n'a pour son nouveau film pas mis son ex-compagne à l'honneur, tandis que cette dernière avait confié par le passé que avoir la personne avec qui on dort après et qui vient nous faire des remarques en permanence dans l'oreille entre les prises, si est-il déstabilisant. Loading widget.